Donc, me revoici, je suis obligée, j'ai dû annuler l'ancien parce que j'ai des problèmes de connexion. Ne me demandez pas pourquoi, je n'ai jamais compris pourquoi mon système Wi-Fi ne fonctionne pas bien. Donc, aujourd'hui, je veux juste vous renvoyer votre façon de penser. Hein, aux Camerounais qui disent, oh, vous voulez qu'on aille marcher pour Camto, ses enfants sont à l'étranger, vous êtes assis bien au chaud. Non, mais par opposition, moi, je vous renvoie ceux pour qui vous battez. Donc, vous dites que les enfants du professeur Camto sont à l'étranger. Oui, ils sont à l'étranger. Si je ne m'abuse, ils sont toujours Camerounais. Le professeur Camto aurait pu mener cette bataille, cette guerre, si c'est une guerre. Hein. Pour certains, c'est une guerre. Pour moi, ce n'est pas une guerre. Il se bat pour un Cameroun meilleur. Il aurait pu livrer ce combat avec nous, ici, de ce côté de la Méditerranée, ou de l'autre côté de l'Atlantique. Il aurait pu le faire. Il est entré et sorti du Cameroun plusieurs fois. Avant même qu'il ne soit arrêté là, quoi, moins de 15 jours plus tôt, il était de ce côté-ci. Donc, il aurait pu faire comme certains leaders, rester à l'étranger et se battre à partir de là. Mais dans sa démarche, il a choisi d'être sur le terrain. Le terrain sur lequel vous ne voyez jamais votre président. Et moi, en regardant les photos de son anniversaire, il y a quelque chose qui me saute aux yeux. Pour la petite histoire, Chantal Vigouroux est française. Même si elle ne l'était pas en se mariant, elle a dû forcément, vu l'ouverture des yeux, elle a dû forcément demander la nationalité française. Ce qui veut dire que son époux prétend à la nationalité française. Selon les dires, il serait suisse. Ce qui veut dire que les enfants du couple Biya sont éventuellement français et suisses. Donc pour ceux qui défendent les choses juste pour défendre, je ne pense pas me tromper de beaucoup. Quand bien même, ce serait de fortes suspicions qui prêtent à réflexion. Eh oui. Le professeur Camto a ses enfants à l'étranger, oui, comme beaucoup de Camerounais qui sont venus faire leurs études à l'étranger. Mais vous êtes dirigé par des personnes qui ont d'autres nationalités. Ça veut dire que demain, quand ça va péter, ils vont vous laisser le merdier. Ils vont venir se réfugier de ce côté. Et ils s'y sont préparés depuis longtemps. Tous ces gens-là ont des maisons à l'étranger, sont au moins résidents à l'étranger, ont des familles qui sont soit résidentes à l'étranger, soit ont des nationalités étrangères. Et ce sont ces personnes qui sont en train de vous foutre le merdier au Cameroun. Donc ça veut dire que ces personnes sont aussi insultables que nous autres. Puisque ce que vous avancez, c'est, ah, vous vivez de l'autre côté, vous êtes bien au chaud dans vos canapés. Leurs enfants sont tout autant au chaud à l'étranger avec d'autres passeports. Ça veut dire que même s'ils n'ont plus de passeport diplomatique, les gars ne sont pas à la rue, hein. Eh oui, les gars se sont réveillés après ce qui est arrivé à la famille Amadou Ahidjo. Eh que oui, maintenant ils assurent leurs arrières, ils ont commencé à assurer leurs arrières depuis longtemps. Donc toi qui viens me dire là que, ah ouais, le professeur Camden a dit d'aller manger, ses enfants ne sont pas à l'étranger. Ceux de Biya sont au Cameroun. Est-ce que ceux de Biya sont au Cameroun? Regardez bien la configuration de la famille de Biya. Elle tend plus vers le caucasien que vers l'afro. Hein. Moi, j'ai regardé ces photos-là. Je me serais cru dans la famille, dans ma famille ici, où les gens sont métissés. Une autre couleur, au Benetton. Je me serais cru dans ma famille. Hein, quand je dis ma famille, c'est au sens large. Hein, quand mes filles rencontrent les cousines. Ah oui! Ici, moi, je suis minoritaire. Hein. Ah oui, je suis la plus bronzée. Lors des repas de famille, je suis minoritaire. Métisse, blanche, quatre ronds, dans l'autre sens, pas dans le sens afro. C'est la famille là que moi j'ai vue en voie mécara pour l'anniversaire. Donc, pour ceux qui se tuent à dire que, oh, professeur, comme toi, ses enfants à l'étranger, il veut qu'on aille. Celui qui est devant là-bas, celui qui est en voie mécara. Ces enfants ne sont pas du tout au Cameroun, selon les dernières nouvelles. Brenda et ses frères seraient en Suisse.
C'est pas ce même Paul Biya qui prend vos enfants, met dans le bid pour qu'ils aillent tuer leur propre frère. Ah, puisque vous êtes dans l'opposition des choses, vous avez fait un choix. Venez donc me dire si Paul Biya est camerounais, en opposition de M. Kamto, qui ne le serait pas. Qui aurait des enfants à l'étranger et Biya, lui, il aurait ses enfants au Cameroun. Eh oui, le professeur Kamto sort du Cameroun, là, comme tous les Camerounais sortent. Avec une autorisation d'entrer dans un autre pays. Biya entre dans un avion, il s'en va. Pour l'instant, il a le passeport diplomatique. Il est chef de l'État. Ses enfants ont un passeport diplomatique, pourtant ils ne devraient plus. Ils sont majeurs. Eh oui, aujourd'hui c'est ce que vous nous avancez. Professeur Kamto aurait pu faire comme De Gaulle, vivre à l'étranger et engager ce qu'il est en train de faire à partir d'ici, bien au chaud, dans un canapé. Comme vous avez appris à vous greffer sur une unité centrale qui n'a d'ailleurs pas de sens et à réfléchir tous de la même façon, on dirait des ordinateurs. Vous pondez quelque chose parce que quelqu'un vous l'a pondu quelque part. Parce qu'on vous l'a pondu à la CRTV. La CRTV, c'est une chaîne d'information. Moi, les miens me l'ont dit, hein, par rapport à l'hôpital de Lokumba. Mais on a dit à la télé que c'était les Amazoniens, non. Eh bien, une autre chaîne de télé vous dit que ce sont les militaires. C'est à toi de chercher le fin mot de l'histoire. Mais on vous a tellement... comment dire, conditionné que dès que le gouvernement dit quelque chose, c'est pris pour argent comptant. Donc dites-moi aujourd'hui, vous qui nous avancez que les enfants du professeur Kamto sont à l'étranger, nous-mêmes nous sommes à l'étranger. Biya a ses enfants au Cameroun. Ses enfants sont au Nosso. Nous avons vu Harry ici et son frère dans l'armée, en Afghanistan. Oh, ben, vous allez me dire qu'il n'était pas en première ligne, mais il y était. On aurait lancé un obus que ils y seraient passés. Que votre président prenne aussi ses enfants et mette dans le bire. Qu'il les mette dans le bire. C'est comme ça qu'on prouve qu'on aime son pays, non? Non, mais pour ceux qui m'avancent ce soir-là que nous sommes à l'étranger, les enfants comme tous sont à l'étranger, ben, dites-moi si les enfants sont bia sont au Cameroun. Voilà l'anniversaire du concerné. Vous avez vu Brenda Biya sur les photos? Moi, je ne l'ai pas vu, hein. Vous avez vu les garçons? D'ailleurs, sur les garçons ou le garçon, j'en sais strictement rien, ça ne m'intéresse pas. Vous les avez vus sur les photos? Preuve comme quoi ils sont au Cameroun dans votre merdier. Ces enfants-là ont la possibilité de vivre partout dans le monde. Les parents ont planqué de l'argent partout. Ceux pour qui vous vous battez là. La fortune du professeur Kamto n'est pas illimitée. Mais les Biya peuvent vivre de génération en génération sans mourir de faim. Contrairement à vous. Donc, dans cette histoire-là, il s'agit de s'asseoir et de choisir le moindre mal. Oui, on dit que dans la vie, quand tu te retrouves à un carrefour, tu choisis le moindre mal. Et à l'heure d'aujourd'hui, là, moi, ce qui me concerne, hein, et je ne suis même pas là pour vous fustiger. Hein. Non, 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 non. Je vous expose juste une façon de voir les choses. Qui vous allez me dire, est la mienne. Hein. Ah oui, ça, je vous l'accorde. Mais moi, je prends le temps de réfléchir et de choisir le moindre mal. Et le moindre mal pour moi, c'est pas Paul Biya. Qui n'a pas fait ses preuves, d'ailleurs. C'est sur ça que moi, je me base. C'est sur ça que je base ma lutte. Parce que je ne veux plus vivre dans un pays, ben, même si c'est une fois, un mois sur 12, je ne veux pas arriver dans ce pays et avoir l'impression que ma vie est en danger à chaque seconde. Un pays où je ne peux pas marcher sur un trottoir. Et c'est ce que Biya a fait de ce pays. Quand j'allais à la maternelle à Yaoundé, eh ben je marchais sur un trottoir. Maintenant, il n'y a plus de trottoir.
Je dois me contenter de ça parce que quelqu'un nous fait croire qu'il est le seul et unique choix? Ah non! Le Cameroun n'est pas sa société privée. Moi, je suis née avant Biya, je ne suis pas née en 82 hein, ou 83, non. J'ai vu la transition. J'ai connu cette capitale avant que Biya n'arrive. Vous ne voyez peut-être pas parce que vous êtes née en 82. Hein. Oh, ça doit être ça. Quand on a connu que ça, c'est normal. Nous, nous avons connu ce pays autrement, où tu sortais en toute sécurité. On ne dit pas que le danger n'existait pas, mais le danger n'était pas omniprésent. C'est ce qui est devenu le Cameroun aujourd'hui, le pays de tous les dangers. Tout le monde est sur les dents, tout le monde est un danger pour l'autre. Tu te fais agresser par quelqu'un qui n'a pas mangé. C'est devenu un art de vivre. L'article premier du Cameroun, c'est débrouillez-vous. Et quand on demande à l'homme de se débrouiller, il en arrive à tuer, à voler. Il vole, vous le tuez. Par contre, ceux qui sont là-haut volent des milliards, vous ne faites rien du tout, vous les bénissez. C'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Vous voulez mettre des choses en opposition? Mettez-les complètement en opposition. Les enfants de Kamto sont à l'étranger? Oui. Les enfants du Biya sont-ils au Cameroun? Non. Les enfants de Kamto ont-ils la nationalité étrangère? Moi, je dis non, hein, sauf si vous avez l'info là et que c'est oui. Les enfants de Biya ont-ils la nationalité camerounaise? Non. Doublé d'un passeport diplomatique qui ne leur revient plus. Quand tu es adulte, ben, tu n'as plus droit à un passeport diplomatique. Tu es un individu. Ben, moi, c'est comme ça qu'on fonctionne, nous autres. Hein. C'est comme ça que nous fonctionnons dans les pays où les choses sont. Ah, ma fille est en train de répondre. Elle dit, dans un pays où les choses sont normales. Et elle a 17 ans. Donc, vous avez fini de faire l'opposition. Maintenant, choisissez le moindre mal. Demandez-vous qui est susceptible de vous abandonner quand ça va péter. Ah, le professeur Kamto, lui, comme il est au Cameroun, lui, il ne peut même plus s'accrocher sur un pays étranger et demander comment est-ce qu'on appelle ça, l'asile politique. Par contre, ceux qui sont là-haut, ils ont des maisons à l'étranger, ils ont des passeports étrangers. Ils vont se barrer comme des rats d'un navire qui est en train de couler. Donc pour les insulteurs publics là, qui pondent les choses juste parce qu'ils ont une bouche pour pondre. Ludmila, arrête de dire des grands mots. Donc pour ceux-là qui ont l'habitude de pondre les choses juste comme ça pour pondre, je viens de vous renvoyer vos dires et je les mets en opposition par rapport à vos choix. Par rapport à vos choix, je mets les deux en opposition. Donc, balle au centre. Balle au centre. Le professeur Kamto vous demande de sortir marcher. D'ailleurs, il n'en est même plus question. Ne sortez pas marcher. Ne sortez pas marcher. En opposition, vous avez quelqu'un qui prend vos enfants, met dans le bire, en fait des tueurs en série, des bombes qui vont gentiment vous renvoyer à la maison une fois qu'il en aura fini, et c'est vous qui allez devoir gérer. C'est ce que les Camerounais doivent se dire aujourd'hui. Le présent, ce n'est pas le pire que nous soyons en train de vivre. Ce sera géré cette après-guerre. L'après-guerre qui marquera l'histoire du Cameroun à jamais. Qui marquera des familles à jamais. Les 36 ans là marquent le Cameroun à jamais. Et dans les quartiers, on voit les résultats tous les jours. Vos filles qui se font violer à 12 ans vous font des enfants qu'il va falloir gérer. Il va falloir gérer leur histoire. Il va falloir vivre avec. Nous allons devoir vivre avec nos choix. Toi, la femme qui va sortir une meute de chiens enragés va te choper. Ils vont te déshabiller et te mettre le piment dans le vagin. Résultat. Il est probable que tu n'aies plus jamais d'enfants. Il va falloir que vos sœurs, vos femmes vivent avec.
Personne n'est à l'abri dans cette folie-là. C'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Il ne s'agit pas d'un individu. On vous a dit que le professeur Kamto aujourd'hui, il le tue. Ça ne changera pas grand-chose. Ils vont en faire un martyr. Mais nous autres, nous n'allons pas cesser de nous battre pour le Cameroun. Parce qu'il est de notre devoir de nous battre pour ce pays-là. C'est notre pays. Ces rats-là vont quitter le navire quand le pays va couler. Et c'est une histoire de temps. Ça ne va même pas durer 7 ans. Ils vont tous se barrer. Parce que c'est une cocotte minute qui est en train de bouillir. Vous ne voyez pas ce qui se passe dans le terrain. Il ne passe pas une semaine sans qu'un groupe de personnes ne dise à la police non. Et en brûlant. Jusqu'au jour où ce sera le brasier. Pour l'instant, c'est isolé. Vous avez l'impression que c'est rien. C'est ce qu'est le Cameroun désormais. Une cocotte minute. Chacun bout de son côté. Et le gouvernement ne fait rien pour que ça s'arrange. Ils ont décidé de presser jusqu'à la dernière goutte ce pays-là. Donc pour ceux qui pensent que c'est une histoire du professeur Kamto, non, ce n'est pas une histoire du professeur Kamto. C'est une histoire de toi, de ton enfant, de celui qui viendra après. Moi, comme je vous ai dit, en tant qu'individu, franchement, en être égoïste, je vous dirais, j'en ai rien à foutre de ce qui se passe de l'autre côté. J'ai ma famille ici. Et vu la direction que prennent mes enfants, elles n'ont pas envie de rentrer au Cameroun. Le Cameroun ne leur a pas donné l'envie d'y rester. Si moi je m'y sens en danger, vous imaginez les enfants qui sont nés ici. Et là, je m'adresse à ceux de la diaspora. Vous pensez que vos enfants, vous allez donner le Cameroun en héritage à vos enfants? Non. On n'hérite pas d'un passif aussi négatif. Même dans ces pays où on vit, on ne fait pas la succession de quelqu'un qui a des dettes. C'est logique. On ne fait pas la succession de quelqu'un qui a des dettes. Ça veut dire que tu récupères ses dettes. Quand un parent meurt ici et qu'il avait plus de dettes que d'argent, les enfants disent non. Et on ne fait plus jamais la succession dans cette famille-là. Parce que s'il faut faire la succession de celui qui arrivait après, il faut faire la succession de celui qui n'avait rien. Ah oui, je suis né à un Mont-Bouton, hein. Je suis né à un Mont-Bouton, c'est ça qui fait mon charme, mon grand. Eh oui, ça fait partie de ma personnalité. Ma mère a voulu le couper, on lui a dit non à l'hôpital. On aurait pu le couper, hein, ça aurait été con. Donc si depuis que je suis là, il n'y a que ce bouton que tu as vu, c'est bien. Moi, je ne le vois plus puisqu'il fait partie de moi. Non, non, c'est bien. C'est juste l'expression de ta connerie. Tu es sûrement assis dans ce merdier-là. Et moi, regarde comme je suis habillée en plein hiver. J'ai les moyens de faire chauffer chez moi. Ah oui, c'est con, hein? Et le jour où ça va péter, moi, je serai à 6 000 km. Et là, crois-moi, tu n'auras pas le temps de voir mon bouton. Le bouton que j'ai sur la lèvre, tu n'auras pas le droit de le voir. Si tu veux, je te fais un gros plan. Comme tu es en train de te branler, là. Oh, ma fille vient de me ramener à l'ordre. Donc, c'est une histoire de choix et de responsabilité. Parce que toi, demain, là, quand moi j'ai une nièce, je parle en connaissance de cause, pas une nièce, j'ai une cousine qui a été tuée par une moto. Oui, en balmaillot. Il y a des histoires dramatiques dans ce pays, vous ne pouvez pas savoir. Hein. Si on s'assoit tous pour déballer nos histoires, on devrait tous se suicider. Il y a des familles qui ont tellement de choses à porter. Oui, ma cousine avait 9 ans. Elle a été fauchée par une moto en allant à l'école en balmaillot. Elle a été enterrée en voilier. Et sa tombe n'existe plus. Parce qu'il y a quelqu'un de plus fort qui a décidé d'enterrer le sien là. Vous connaissez un voilier, n'est-ce pas? Vous connaissez le cimetière d'un voilier. Il n'est pas bien grand. Il est bien plat. Oui, on avait enterré ma cousine là-bas. Nous sommes revenus. On a pu trouver sa tombe. On en déduit que soit quelqu'un est venu l'enlever de là, soit on a enterré quelqu'un d'autre. Voilà le Cameroun où on ne respecte rien. Parce qu'il n'y a plus personne. Il n'y a plus de pilote dans l'avion depuis longtemps. Voilà les drames que. Moi, je vous parle selon mon expérience. Voilà les drames que des familles supporte au Cameroun. Et il y
y en a qui se sont résignés à vivre dedans. Moi, je dis non. Et notre famille n'est pas la seule. Avoir enterré quelqu'un en volière et qui ne retrouve plus la tombe, nous ne sommes pas les seuls. Voilà ce qui arrive dans ce pays-là. Non seulement elle a été percutée par une moto parce qu'il n'y a pas de route, parce qu'on ne respecte rien, mais quelqu'un s'est cru en droit d'en soi d'enterrer quelqu'un par-dessus elle et de faire disparaître sa tombe, soit de l'enlever carrément de là et d'aller trafiquer ses os pour faire Dieu seul sait quoi. Voilà le Cameroun dans lequel nous vivons. Et voilà le Cameroun que nous voulons laisser à nos enfants, le Cameroun de l'anarchie. Il y a certains qui se sont bien arrimés à la chose, hein, qui ont leur boulot, qui semblent ne pas vivre dans ce Cameroun-là. Mais ce n'est qu'une illusion. Comme je vous dis, on meurt tous sur l'axe lourd à égalité. Voilà un couple caribien qui d'une élite, et voilà une élite qui est partie comme ça, papa et maman, sur les routes du Cameroun. Est-ce que vous pensez que cette route-là dit que non, c'est une élite? Non. Nous subissons tous l'incompétence d'un gouvernement qui est assis là depuis 36 ans. Ceux qui n'ont pas compris ça, ben, vous n'avez qu'à vous tirer une balle dans la tête parce que tôt ou tard, ça vous rattrape. Personne n'est à l'abri. C'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Il ne s'agit pas de personne. Il s'agit d'en finir avec ce système pour un autre que nous allons tous construire. Pardon, que ce soit le professeur Kamto ou quelqu'un d'autre. Et sûrement pas Cabral Libi, moi je vous le dis. Parce qu'un leader se dessine. Ton pays ne peut pas être en crise, tu prends tes pieds, tu vas à l'étranger. Non, t'es pas un leader, mon gars. Moi, j'ai commencé piano piano avec toi, hein. J'ai suivi ta campagne. Mais tu ne m'as pas convaincu. Vous pouvez envoyer les têtes de mort. Ça, ce sont mes frères, mes soeurs du littoral qui sont en train d'envoyer les têtes de mort. Mais ce n'est que la vérité. Un chef de famille ne quitte pas la maison quand la maison est en feu. Et c'est comme ça qu'on reconnaît des leaders. Je vous ai dit tout à l'heure que le professeur Camteau, lui aussi, aurait pu, après le Conseil constitutionnel, revenir en Occident et mener sa bataille à partir d'ici. Mais Cabral Libi a jugé bon d'aller faire du tourisme en pleine crise politique. Donc c'est à nous de réfléchir. Moi, je ne vote pas pour ce genre de personne, mon gars. Ça veut dire que demain, on attaque le Cameroun. Nous avons le voisin là qui décide d'en finir avec nous. Ah ben, monsieur va prendre son vol pour aller faire du tourisme à Hollywood. S'il le fait aujourd'hui, lui qui est encore en train de se chercher en politique, pensez-vous que demain, quand il aura ce pouvoir entre parenthèses là, il va faire comment? Eh bien, il va nous laisser avec notre merdier. Eh bien, c'est comme ça qu'on se dévoile, hein. Pas autrement. Moi, je n'ai rien contre lui. Il m'a pas convaincu, c'est tout. En tant qu'individu, rien à foutre. Moi, je parle de son comportement. Lui, en tant qu'homme, j'en ai ri, mais franchement, j'en ai rien à battre. Mais par ses actes et ses actions, moi, je dis que je ne confie pas ma voix à ce genre de personne. C'est mon humble avis. Et toi, tu as le droit de ne pas être d'accord avec moi. Mais il faut que tu me donnes les arguments qui t'amènent à voter pour ce genre de personne. Qui fait le show? Il est au nord, il est au sud. On le voit de partout. Lors de la campagne, d'ailleurs, la campagne n'est pas encore ouverte, mais il a fait déjà. Il monte, il descend. Quand ça va commencer à chauffer, eh ben le mec, il va aller faire bronzette à Hollywood, hein. Eh ben oui. Il va aller tourner un autre film à Hollywood et il va vous laisser dans votre merdier comme il a fait. Pourquoi est-ce qu'il changerait? Il va aller manger deux à trois hamburgers essayant de se remplir un tout petit peu. Il va revenir, la bouche en cœur, pour vous dire de repartir voter avec le même système. Ah, le même virus crée la même maladie, hein. Eh oui, le même virus crée la même maladie. Vous ne verrez jamais le virus de la grippe créer la gastro. Ah non. C'est mathématique.
Il y a un virus de la grippe, il y a un virus de la gastro. L'un ne peut pas créer l'autre. Tu prends les mêmes mots, tu as les mêmes problèmes. Pourquoi est-ce que ça changerait? La nature est ainsi faite. Le mec vous a prouvé que dès qu'il y a le feu au navire, il se bat tranquillement, tranquille. Eh oui. Il ne s'est même pas payé le luxe d'aller au Maroc ou s'arrêter même en Espagne ou en France. Le gars est parti. Il est allé faire un petit tour à Hollywood. On l'a vu en photo avec qui? C'est à Tebankou, je ne sais pas, Amérique, mais non, mais soyons sérieux. Vous voyez, comment on appelle? Vous voyez Macron en photo avec Marine Le Pen? Ou est-ce que vous voyez un partisan en marche en photo avec le Front National? Non, mais soyons sérieux, on a tous perdu le Nord, hein? Et ce même Cabral Libii là qui vient vous dire de voter pour lui. Le gars qui est capable de faire une pirouette comme quelqu'un qui fait partie d'un cirque. Ah non, on ne peut pas manger à tous les râteliers. Un homme politique ne peut pas manger à tous les râteliers. C'est impossible. Ici, quand on nous parle de centre, il n'y a pas de centre, hein. Le centre là penche toujours soit à droite, soit à gauche. Donc il n'y a pas de centre. Aucun politicien n'est du centre. Cabral Libii ne peut pas vous dire la chose et son contraire. Vous pensez que c'est quelqu'un à qui on peut confier un pays? Oh, l'opposition a gagné. Oh, Bia. Non, mais soyons sérieux. Ou vous voulez qu'on vous rembobine toutes les vidéos? Chacun doit aller, chacun a écouté et a vu avec ses propres yeux. Nous n'inventons rien. Oh, merci, la personne qui a créé le Internet. Tout est sur Internet, hein? Eh non, il n'y a pas d'effaceur sur Internet. Donc quand on parle là, c'est preuve à l'appui, hein? Allez sur Internet, l'écouter, rembobiner, écouter ce qu'il disait. Donc je m'adresse à mes frères qui pensent qu'on vote pour quelqu'un parce que nous parlons la même langue. On nous coupe tous la langue, on sait encore d'où tu viens, hein? Tu perds la mémoire, tu sais encore de quelle ethnie tu es. Pour ceux qui ont eu des accidents là, qui ont perdu la mémoire, on leur demande quel est ton nom. Ils ne connaissent pas leur nom. Ils ne parlent plus leur langue. Ils ne savent plus de quelle ethnie ils sont. À ce soir, Thibault. Donc, on se base tous sur comment dire, sur des choses qui ne sont pas objectives. Moi, je connais, il y a des noms bêtis, j'ai des gens de la famille qui portent des noms bêtis, mais nous ne sommes pas bêtis. C'est un nom qu'on a hérité d'une arrière-arrière-grand-mère de nos grand-mères. Donc, on se base tous sur des histoires fallacieuses qui ne peuvent pas faire une société qui tient la route. On ne se base pas sur un nom ou sur... la façon, comment dire, le langage que l'autre utilise pour s'exprimer. Je vous ai déjà dit que je parle bassa, mais je ne suis pas bassa. Dans ma famille, il y a des noms bêtis, pourtant, nous ne sommes pas des bêtis. La branche bêtis a disparu depuis longtemps. Arrière, arrière, oui. Et encore, c'était du côté féminin, donc chez nous, la lignée est patriarcale, ça veut dire que nous n'avons jamais été bêtis. Nous avons toujours été des gens croissants, bien qu'ayant une branche maternelle bêtie. Et j'ai des tantes qui ont des noms bêtis. Et qui parlent bêtis. Mais nous ne sommes pas bêtis. Nous ne pouvons pas mettre l'avenir d'un pays dans les mains de quelqu'un parce qu'il parle notre langue. Et il va faire le job quand? Ah ben oui, nous allons passer notre temps à taper les divers là. Oui, à part, oui, mon frère, mon frère. Et il va faire le job quand? On vote pour lui pour qu'il fasse le job. Moi, j'en ai rien à foutre qu'il soit martien. Hein. Donc, il va falloir que chacun se réveille et commence à penser d'une façon objective. Au lieu de se baser sur les... Oh, le professeur, comme tu as envoyé ses enfants à l'étranger. Oh, ben moi, je te réponds. Ben, les enfants de Bia aussi sont à l'étranger. Hein. Et ils sont à l'étranger avec tes millions. Plus qu'ils n'en font même. Ils ont sûrement planqué l'argent jusqu'au pôle Nord, chez les Inuits. Ils ont planqué de l'argent partout. Donc si c'est la seule raison pour laquelle tu ne te bats pas, parce que les enfants du professeur Kamto
sont à l'étranger. Ben, balle au centre. Les enfants de Bia sont aussi à l'étranger. Balle au centre. Balle au centre. Donc, s'il faut être con, moi je dis, je deviens raciste ce coup-là et très tribaliste. Non, tribaliste, je n'ai pas les moyens. Non, je deviens supra-raciste. Puisqu'on vous a dit que le blanc est mauvais. Il faut détester le blanc. Ah ben, je viens de vous donner une victime. Soyons cons jusqu'au bout. Chantal Vigouroux n'est pas camerounaise. Soyons cons. Biya ne serait plus camerounais, il a un passeport suisse. Par ricochet, ses enfants sont étrangers. Je vous en prie, étalez-vous dans votre connerie jusqu'au bout. Ça veut dire qu'au pouvoir, nous avons un couple d'étrangers. Et beaucoup dans le gouvernement, là, sont dans ce cas de figure. Je parie même que tous sont dans ce cas de figure. Ça veut dire que ce ne sont pas les Camerounais qui gouvernent votre pays. Puisqu'on vous a toujours dit que le blanc était mauvais. Le blanc ne te veut pas du bien. Par ricochet, eh bien, Vigouroux ne te veut pas du bien. Eh que oui. Continuons dans cette logique-là. Moi, je vous ai dit que la bêtise. Moi, je ne sais pas faire preuve de mes 2 minutes de bêtise. Sauf qu'il faut qu'elle soit réversible. Moi, j'ai décidé de fonctionner comme vous. Là, je suis une. Allez, hop. Je ne supporte pas les blancs. Ah ben, il y en a qui ont des enfants métis qui supportent pas les blancs. Mais non, non, on va continuer dans cette connerie-là. Ah non, non, moi, j'ai fait. Non, mais j'ai une fille métisse, mais j'aime pas les blancs. Putain, ils sont cons. Oh non, mais les blancs, ils nous pillent. Oh là là. Ah non, le blanc, il pense qu'à son intérêt. Les blancs ne veulent pas du bien à l'Africain. Ah non, pensez-vous. Donc, par ricochet, j'ai une métisse devant moi. Qui a d'autres nationalités? Eh ben, moi, je ne l'aime pas aussi. Hein. Oh putain, oh la poufiasse! Oh là là, mais elle est en train de piller notre pays! Oh, est-ce que vous pensez qu'elle peut nous vouloir du bien? Ah oh, non, mais il faut la détester! Ah oh, non, mais ses enfants! Oh mais purée, vous avez Brenda. Ah oh, mais! Oh, Brenda, le passeport suisse! Vous voyez, je viens de péter une jurite. Donc, je vous prie, continuez dans cette lancée-là, on va voir où nous allons arriver. Soyons bêtes jusqu'au bout, hein. C'est vous qui avez sorti les cartes, hein. Je ne fais que jouer avec vos cartes. Je joue avec vos cartes. Jouons donc. Moi, je suis d'accord maintenant, on joue. On n'aime pas les blancs. On n'aime pas les personnes qui ont les enfants à l'étranger. On ne lutte pas pour le. Comment dire? On ne lutte pas pour. Notre liberté, parce que il y a quelqu'un devant qui a des enfants à l'étranger. Je veux qu'on joue avec ces cartes-là. Ça veut dire que là, dès que je finis là, vous êtes tous dehors. Pour faire partie Bia, qui est dans le cas de figure que vous ne supportez pas. Le cas de figure que vous détestez. Eh oui. Le cas de figure qui ne vous convient pas. Un leader politique qui a des enfants à l'étranger. Et moi, je rajoute un joker dessus. Un leader politique qui a un passeport minimum étranger. Minimum. Comme je vous l'ai dit, Biya, ayant épousé une Française, peut prétendre à la nationalité française. Et j'ai lui dire qu'il était Suisse. Donc maintenant, vous me posez ça sur la balance. Et vous me choisissez le moindre mal. Moi, j'ai déjà pris ma décision, je vais déloger Bia, qui ne remplit pas mon cahier de charges. Donc, sur ce, je vous laisse cogiter aux bêtises que nous autres humains pouvons débiter juste parce que nous avons une bouche. Revenez me dire demain quel mal vous avez choisi. Si c'est l'ennemi que vous mettez devant. Je viens de vous prouver que l'ennemi ne veut rien dire. Je suis Bassa quand je veux. Parce que mon nom que je porte là, personne ne peut poser ça sur une carte si la personne n'est pas dans la même région que moi. Ou si la personne ne connaît pas mon ennemi. Eh oui. Donc, toutes les choses sur lesquelles vous vous basez sont faussées d'avance. Donc, je vous laisse le temps de réfléchir et de venir me dire quel est le moindre mal. Au pire, c'est balle au centre. Mais étant donné qu'il n'y a pas de neutralité dans l'avenir d'un pays,
Ben maintenant, faites votre choix en connaissance de cause. Et choisissez celui qui est le plus susceptible de rester avec vous quand le Titanic va couler. Parce que le Titanic va couler. Le Titanic va couler. Quels sont les rats qui sont susceptibles de quitter le navire? Ah, nous sommes tous les rats dans ce Titanic-là. Au vu du passif, quels sont les rats qui sont susceptibles de quitter le navire quand il va couler? Parce qu'il coulera. Si on ne fait rien là, il va couler. Moi, je vous dis sauf que ce n'est pas Bia et ses enfants qui vont rester dans ce navire-là. Du tout, du tout. Ils ont les moyens de se barrer, de vivre confortablement avec votre argent jusqu'à la fin de leur jour. Par contre, le professeur Camteau est toujours camerounais. Et si je ne m'abuse, ses enfants sont toujours camerounais. Sinon, vous l'aurez déjà dit, hein. Ceux qui sont à l'aéroport, là, qui font hashtag balance, ils auraient déjà dit que les enfants Camteau ont le passeport français. Donc, demandez-vous qui est susceptible de rester sur ce bateau. Quel est le capitaine? Parce que le capitaine doit couler avec son bateau. Ah, ben c'est ça les règles les règles maritimes. Hein. Un capitaine de bateau n'a pas le droit de sortir s'il y a encore du monde dedans. C'est une faute plus que grave. Un capitaine doit couler avec son bateau. Donc dites-moi, quel capitaine nous donne l'impression de comment dire? Quel capitaine nous a donné? Pas les arguments qu'il nous a donné. Je ne sais pas, j'arrive pas à trouver le mot. Quel capitaine est susceptible de couler avec ce bateau? De respecter le code de quoi? Le code maritime. En connaissance de cause et en toute objectivité. Quel capitaine est susceptible de rester dans ce bateau et de couler avec? Selon tout ce que nous avons déjà vu. C'est la question que nous devons nous poser aujourd'hui individuellement. Qui est prêt à mourir pour le Cameroun? Et c'est sur ça que je me base pour faire mon choix. Eh oui, c'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça, les gars. C'est aussi simple que ça, les filles. Même quand tu épouses quelqu'un qui est posé chez toi, tu sais exactement quelles sont ses réactions quand le danger est là. Tu sais si c'est un bon mari ou c'est un mauvais père. Tu le sais. Selon sa façon de réagir. Et la politique, c'est juste une énorme famille, hein. Ce n'est sûrement pas les Cabral Libye qui vont rester dans le bateau. Je vois les têtes de mort. Ah non, c'est pas Cabral. Cabral, lui, il prend des vacances quand un pays est en pleine crise. Je vais vous prendre un exemple simple pour finir, hein. Il est quelle heure? Je vais vous prendre un exemple simple. Sarkozy contre Ségolène Royal. Ah, ben je suis une femme, moi je finis par me dire, ah ouais, une femme trop bien, elle a de la poigne, elle. Vous savez à quel moment j'ai décidé de ne pas voter pour elle? Ah ben, lors du débat, quand elle a dit qu'il fallait mettre un flic derrière chaque femme qui travaille de nuit, j'ai compris que celle-là, c'était pas la peine. Pourtant, je suis une femme. Hein. Pourtant, je suis une femme. J'ai compris que celle-là, non, 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 non. Et c'est comme ça que j'ai voté pour Sarkozy. Eh oui. Elle m'avait donné la preuve comme quoi elle n'était pas le capitaine qui allait rester dans le bateau pour couler avec. Pourtant, on était parti pour voter pour Ségolène Royal. On croyait en elle, on croyait en elle. Et non, elle s'est chiée dessus.